Salut à tous et à toutes, ici Mister Zombie Mort et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Ni no Kuni. Donc on est allé parler au vieux Shenmue, donc du coup il fallait qu'on aille se débarrasser d'une bestiole dans la forêt qui nous avait dit. Donc du coup, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, on allait sauvegarder dans un petit coin. Oh, un coffre. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ouais. Donc, une miche de pain. Alors je suis toujours accompagné de Madame Zombie Mort avec moi, donc toujours dans cette vidéo de Ni no Kuni. On espère pouvoir réussir à aller tuer le boss de la forêt. Tu te rappelles comment est-ce qu'il s'appelle le boss de la forêt? Alors pas du tout. Par contre je me rappelle à quoi il ressemble. Et il était moche. Les chutes chautantes. Chautantes. C'est chaud. Tente. Oui, c'est chaud. Remarquez, hein, l'hiver, il a toujours le même pantalon. Hein. Quel crado. Ouais. Ah, bien, monsieur. Bon, comme vous pourrez le remarquer, je suis passé en HD, donc vraiment les vidéos, les sous-titres et tout seront beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus agréable à voir aussi. Il reste toujours un petit temps pour que les gens puissent lire des petits dialogues. Si jamais il doit y avoir des films ou des petites vidéos, je parlerai pas, comme dans mon ancien enregistrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la qualité est bien ou pas, si on m'entend bien au niveau du son par rapport au jeu, savoir s'il y a des petits problèmes, quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que mes visionnaires, mes visionneuses, mes visionneurs voient et entendent par rapport à ma vidéo. Je sais, j'ai dit des mots un peu bizarres et un peu étranges, hein. Ma femme m'a regardé. Visionnaire. Oui, je suis un visionnaire. Tu sauvegardes pas? Non, t'as raison, on sauvegarde pas. Non, on est des fous, nous, allez. Ouais, non, on y va à l'arrache. On y va à l'arrache, on est des fous. Oh là là. Ah, une bestiole. Ouais, une tête de canard, je crois. Une tête de canard? Ah non, même pas, je crois que j'ai mal vu, là. T'as vu, très mal vu. T'as vu l'autre, il y a ces deux paraboles, là. C'est jamais le cas où il fait quelque chose. La chop, chop. Ouais, chop. Ouais. Non. Ah, ah non. Eh non, hein. Ah non, le crachou là. Le crachou d'ailleurs, il porte bien son nom, t'as vu sa tête là? Il crache partout. Attention, attaque, jet d'eau. Presque level 3 avec. Comment qu'on l'a appelé? Ah oui. Ah oui. J'ai perdu son nom. Je me rappelle même plus. Ouais, par contre, 38 florins, on va pas aller très loin. Hein. Ça, c'est sûr. Mm. Allez. Ah, encore un crachou. Peut-être qu'il y aura des crachou. Crachou, crachou, crachou. Crachou. Et un gambadin. Un gambadin. Moi, oh, je gambade, je suis un gambadin. 25 points de vie. Oh là. Oh là, 32. Oh, oh, c'est bien. Oh là 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 là. Là. Vas-y. Allô. Voilà, attaque. Il y avait un temps de latence, si tu permets. Crac, crac. Bah, donc, moins un. C'est sûr que tu vas y aller, hein. T'as vu, il y a une petite attends, je passe. Il y a une petite bonbonne de vie. Oui, oui, je laisse le temps d'aller chercher. Ouais. On n'a pas le son. J'ai envie de me faire sauter. On fera des vidéos après à part. Ah, ça y est, le level 3, je l'avais dit. Niveau supérieur. On a gagné 8 florins, on a 46 florins. C'est bien pour un début. Ah, un coffre caché. Un coffre caché. Tu l'avais vu, toi? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ouais, une barre de chocolat. Tiens d'ailleurs, on pourrait nourrir nos familiers, voilà, comme ça, hop. Du coup d'un seul coup. Quoi, pour lui la barre de chocolat? Donc pour lui c'est le chocolat son truc préféré, son donc truc préféré. En dernier, hein, pour bien laisser sur sa faim. Allez. Ouais, mais des stars. Alors, c'est après, pour la donc, précision. La satiété va monter d'un bloc, comme on a pu remarquer. Mets-toi sur le chocolat. Quand on est, vous voyez la barre bonus, il y a le petit carré bleu, j'allais dire. Oh, c'est le petit carré vert, c'est ce qui signifie l'augmentation dans l'attaque, défense, attaque magique, défense magique, précision et esquive. Et la petite tête de valeur nutritive, c'est sa satiété. Donc là, il y a une seule tête, donc du coup, quand on va le manger, bah, il obtiendra une tête en plus, donc de la tête qu'il a, donc il aura deux têtes. Il y a 10 têtes, c'est ça? Ouais, on peut lui en donner 10. Et on vous montrera à la fin du prochain combat, il y aura une. Ah, mais il adore le chocolat, je te l'ai dit. Chocolat. Oh, voilà, on a donc plus ça en attaque, nickel. Donc, au prochain combat, on aura descendu d'une satiété. Oh, 1h30 de jeu quand même, hein. On est rendu que là. Qu'est-ce qu'il a oublié de nous dire encore?
parie que c'est... Ah non, c'est pas ça. Ah oui, on vous en avait parlé de ça justement, qu'on pouvait changer. Et justement, dans le jeu, à un moment donné, il nous montre qu'on peut changer les talents des familiers. Je me souviens dans l'épisode précédent, où on avait montré tout ce qu'on pouvait faire avec les familiers. Donc, voilà. Donc là, on a le droit au petit récapitulatif du jeu, hein, l'explicatif, du récapitulatif, du préservatif, non, pas du préservatif, non, du récapitulatif. Récapitulatif. Ouais, voilà, ouais, ce truc-là, là, ce mot imprononçable. J'en ai un mieux. Hein? Super califragilisticexpialidocious. Ah ouais, non, mais celui-là, il est encore pire. On va l'oublier, celui-là. Celui-là, il fait partie d'une grande famille des mots inexistables, inexistentiels, imprononçables, oui, et imprononçables. Imprononçables. C'est une table imprononçable. Ouais, c'est la prononçable, oui. La table imprononçable. Boisy, crache. Boisy, boisy. Boisy, un coup à la maison. Bien crache ou... Accentue ta accordéon. Bah, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, t'as vu. Je suis aveuglé. Ouais, tu es aveuglé. Je peux quand même taper, attaque. Okay. Non, mais tu rates un petit peu tes cibles. Bon, ah, t'as fait quand même 3 points. Tu vois que l'attaque elle augmente. Ah, j'ai pas réussi! J'ai laissé un bout de. Mais je crois que t'as un sort de soin, il me semble que te. Oui, bah ça je le ferai quand je serai rendu au gros boss. Ah, on a gagné un gâteau. Donc là, normalement, si on regarde dans la mercerie, vous pouvez voir que vous voyez, la satiété est partie de 1. Bon, allez, hop, on va lui donner ça, l'attaque magique. Ça, ça monte pas de 1 là, je crois. Si, ça monte vite l'attaque. Vite. Magique. Non, c'est l'attaque magique. C'est l'attaque magique, non? Ça monte moins vite. Que l'attaque normale. Non, non, ouais, tiens. On le voit sur la carte. Ah, coffre. Attention, coffre. Pour ouverture du coffre, qu'est-ce qu'on a gagné? Une okay. Miche de pain. Donc ça, c'est de la vie. Et on va les économiser. Mm. C'est cher payé pour ce que c'est. On passe sur le petit arbre. Ça vient la boisie. Mm. Boisie, hein. Ouais. Ouais, on a le droit qu'à un boisier en plus. Une espèce de dinosaure bizarre. Ouais, comme on dit, un boisier un coup, on va mieux après. Un coup oh, 4, 5, voyons que... Il y en a 3, hein. Il y en a 3. Ouais. Ça se ressent. D'ailleurs, je sens que le level 3, hein, on va bientôt le passer là. En plus, on pourrait presque passer Oli niveau 4 aussi en même temps. Ça serait bien, Oliver, pardon, pas Oli. Oli, petit surnom. Oh. Alors ça commence à s'appeler ça. Je sais plus. Ah non plus. Ça s'appelait, attention à... Trackflap. Un Trackflap. Et un Gambada. Et le Gambada, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Un Trackflap, oh, il s'est mis une armure le petit cerveau. Tu fais attention à ta petite lumière fondue. Oliver. Oliver. Ah bah disons, quel soin. Voilà, t'auras à faire mieux provision. Ouais, allez, mangeons une petite miche de pain. Ça redonne. Ouais, allez, hop. Rappelle ton familier. Attends, voilà. Ouais, carrément. Montrer le sort. Ah oui, quand même, oui, c'est pas mal, hein. Oh, mais, hein, voilà. Ah, regarde, t'as du mana, là, en plus. C'est fini, on en faire un peu. Mm. Ah, là-bas, il y a une barre de vie, aussi. Et lui, qui se balade en arrière-plan. Ouais, en arrière-plan, lui, il a rien foutu, il était juste là comme ça pour nous montrer. Non, mais il nous aide jamais. Hein. C'est un flemmard, c'est je te laisse crever. Ah, quoique plus tard, je ne sais pas si tu te rappelles, il a la lumière, là, la goutte de lumière, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, qui nous donne. Oui, les larmes, je sais plus quoi, ouais, qui mais... redonne de la vie, oui, mais c'est très très rare. Hein. Oui, et puis c'est même très très rare. Oui, donc on peut le dire. On va l'oublier. Donc là, on va aller quand même sauvegarder pour récupérer un ch'tiopeu de vie. Ah, voilà, un ch'tiopeu, oui, un ch'tiopeu, c'est bien que pas ch'tiopeu du tout. Hein. Pas ch'tiopeu du tout. Quelle expression. Donc on va passer ça, on va partir dans la crotte, on est dans la goutte. Franchement, je trouve les graphismes vraiment bien, honnêtement. Oh là, il y a eu un bug de câble, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Oh, où c'est qu'on arrive là? Le vieux boss. Le vieux boss? Enfin, le gros boss. Le gros boss. Tout moche. Enfin, moi, je le trouve moche. Hein. Le gardien. Il est où? Ah oui, ça tremble. Regardez, on dirait un dinosaure qui arrive. Un T-Rex. Tout le monde s'en va. Un T-Rex. Et non. Il va l'écraser. Un gros tas de boue avec
Non. De l'herbe dessus et je sais pas quoi. Pour moi, ça fait penser à un tas de boue avec des bandages pour. Ouais. Gardien de la forêt, défenseur dévoué. Je n'ai pas vu la suite, hein. Désolé. Alors, j'aurais presque pu le voir puisque j'ai un petit décalage avec mon HDP vert et mon écran. J'ai pas eu le temps de zioter sur la suite. Oh, bah si tu vas aller vite pour le tuer, et moi ça là. Oui, j'allais le faire. Oui, mes défenses. Oui, je mets défense. Oui, tu l'as mis. Ah, voilà. Il y a de la vie qui est tombée, je la vois. Mais oui, tu l'avais pas vu la vie, il y en a même deux. Ah ouais, il y en a deux. Allez, non, mais faut que tu ailles la chercher. Laisse-moi me lever. Debout, debout. Allez, hop, les deux barres de vie là-bas. Oh non. Bah, c'est pas grave, au moins tu auras récupéré la vie et tu pourras faire boule de feu comme ça. Allez, boule de feu. Hop là, t'as de la vie là. Défense, défense. Debout. Oh, tu parles de. Ah. Alors, non, c'est là la défense. Pas trop tard. Attention, 15 dans la tombe. Oh, 20. Et c'est quoi? Miche de pain blanc. C'est toi. Aïe. Au secours, au secours. Je vais pas mourir. Mais non, mais pourquoi t'as pas envoyé une boule de feu? Parce que je veux le finir avec mon rugby. Oh, le pauvre, il va mourir avant. Non, ça c'est bon, tu peux le taper. C'est qu'un régissement. Ah oui. On va prendre l'hiver. Oh, comment c'est ça que je suis étourdie. Ah non, non, laisse-moi. Laisse-moi aller chercher ce petit truc pour vous montrer ce que c'est. Ah, oui. La furie de Oliver. Que bon. Enfin, en même temps, je vois pas sur qui tu peux la lancer d'autre. Hein. C'est pas moi qui décide. Ah oui, 124 quand même. 124 sans abuser, je crois que c'est le double de sa vie. Hein. Je crois qu'on a que 60 points de vie, hein, un truc comme ça, en tout cas c'est. Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises puisqu'on va passer le level. Sans Florin, sans Florin, 75. Essence des bois. Ah, ça c'est bien, il me semble que l'essence des bois, c'est ce qui permet de faire évoluer les animaux. Non, je sais même pas du tout à quoi ça sert. C'est un trophée, une espèce de petit truc qui fait. Ouais, on a battu ça. C'est des pierres étoiles, des trucs comme ça qui sert à les. Ouais, tu ferais mieux d'aller te cacher dans ta forêt. Mais c'est pas encore tout de suite, quoi. Et partir remettre ses idées en place. Bah, y a intérêt. C'est un gardien qui remet ses idées en place. Et il est venu nous attaquer alors qu'on n'a pas menacé la forêt. J'adore le super air de Lumi là, qui est super content. Ouais, super, tu l'as battu. Genre on devait mourir, tu vois, c'est pas normal. Ouais, tu es encore vivant. Ouais, t'as vu. Essayez les coutons. Je suis encore vivant. Voilà. Par sa sérénité retrouvée, le cœur du gardien a brisé le sceau de l'almanach du magicien. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Lire ? Non. C'est trop long. Hein. Ah, c'est non, à lire, franchement, il n'y aurait pas assez. Non, tu t'en es bien sorti de lire. Il Vachi no shinyu, Lockstone wo azukeyo. Mais ce truc-là, je crois que c'est le truc le plus inutile du jeu, enfin, je m'en suis jamais servi personnellement. Toi ? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Et elle t'explique tout. Ah, ça y est, on a obtenu la fiole. La fiole qui permet de. Nous
Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Crash Team Racing, mais je trouve que la stèle ressemble vachement au stèle qu'on peut retrouver sur la carte de Popopopo dans la pyramide. Dans mes prochaines vidéos, je pense que je ferai une petite vidéo rapide sur ce jeu pour vous montrer les courses et les trucs. Et franchement, ça me fait vachement penser aussi à la tronche du Booba Bulga, l'espèce de totem qui tourne autour de la tête. Là. Booba Bulga. Ah oui, non, mais c'est. Si tu veux, c'est des jeux comme ça, il y a des jeux avec des noms bizarres. Il a hâte de savoir comment. Nous avons accédé à la stèle du tabac depuis le menu et nous avons obtenu une fiole. Oui, super. Ah, nous avons obtenu Koiker et Pasqueur, forcément. Oui. Et Pasqueur. Forcément. J'ai cru qu'il allait encore y avoir une vidéo. C'est moi qui ai du mal avec la caméra. Alors on va aller de suite tester ce petit sort là, ce nouveau petit sort là. Un peu en marche dans la rivière. D'ailleurs vous remarquerez que on a quand même tué le géant et puis on s'est téléporté à l'arbre. Hein? Totalement normal. Ouais. C'est normal. C'est un jeu japonais. Elle ne critique pas. Non, je ne critique pas, je n'ai juste dit japonais. C'est tout, j'ai le droit. Non. Non, j'ai pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Bon allez, je fais une minute de silence pour la peine. Et c'est pour la paix à qui? À Oliver? Pourquoi je prends le chemin le plus long? Je sais même pas si je peux passer par là d'ailleurs. Bon, ça permet de montrer le fracas. Waouh! Ça fait mal là. Ah, je suis bloqué. Donc je fonçais dans le mur. Bon, ça passe pas. Faut faire le tour. Voilà. Ma minute de silence est terminée. Donc oui, vous avez eu la paix que pendant une minute. Voilà, là. Encore du combat. Et toujours deux du combat. Ouroboros. Voilà. Ah oui, des Ouroboros. Le A et le B, comme vous pouvez voir. Comme sur les manettes de la Game Boy. C'est pas le A, B. Non, le XY, c'est sur les autres Game Boy. Moi, je me souviens, sur ma première Game Boy Advance, enfin ma Game Boy Color, plutôt, qui était même pas colorée, qui était grise, il n'y avait que A et B. Hein. On n'avait pas d'autre Game Boy Color, alors. Oh, on a obtenu un œuf frais. C'est plus cool. Qu'à obtenir une poêle, et puis tu pourras nous faire un œuf sur le plat. Ou un four. Ou un four. Si, ça passe. Je te rappelle, oui, que tu peux tourner la webcam de manière à ce que... Alors c'est très imposant pour ces eaux là qui sortent du sol là. Hein. Il y a dinosaures qui sont beaucoup morts. De dinosaures qui sont morts dans le jeu, dis donc. Faut disparition, bonjour. C'est bizarre. Allez, tape le frappe ça. Oh, one shot. Oh, one shot. Allez. Oliver, genre. Oh punaise, c'était trop long. Il se frotte la tête là, genre. Ouf. On n'en peut plus. Ah, on a quand même 163 florins, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu vas nous attaquer le canichenin là? Ah non, c'est le canichenin qui nous attaque. Il a l'avantage? Non, un Belligérant. Je me souviens même, sur ma première sauvegarde, quand j'avais glitché un petit peu le jeu, je faisais dans un endroit sur la map. Je m'étais amusé pendant une heure et demie à faire des combats aléatoires. Donc en fait, je me déplaçais d'à peine 3-4 blocs et puis hop, enfin 4 blocs, je me déplaçais d'une certaine petite distance et puis il y avait toujours des monstres qui repopaient et je me suis amusé à les tuer, à les tuer en boucle et mon personnage il avait dû prendre une trentaine de niveaux il me semble. Non, 20 niveaux il a. 15. Je sais plus combien de niveaux j'ai pris, je sais que j'en ai fait prendre énormément. Et, aucun, ça m'étonne. Si, parce que j'avais arrêté à level 5 et je suis venu.
Ah oui, j'étais pas juste au niveau 20. Tout compte fait que niveau 20, je suis allé. On allait dans une zone où il y avait donc des monstres qui étaient censés être plus haut level que nous, puisqu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, comme dans tout bon jeu, les monstres montent en niveau, montent en expérience et tout. Et justement, Eh man, tu veux un pilon? Non, j'ai déjà un poupillon. Tout ça pour revenir à mon histoire. Là, j'avais fait donc du glitch pour que le joueur soit au level. Oh, t'étais pas niveau 5, hein, c'est pas possible. Hein. Non, regarde, t'es niveau 5 et t'as même pas encore été dans la ville. Mais j'avais arrêté très tôt. Hein. Mais oui, mais on était allé dans c'est la forêt. C'est toi qui as fait toute la ville. Mais non, j'avais... Non, je me souviens qu'on était parti dans la forêt. Je sais plus. Moi, je me souviens qu'on était... Ah, mais ils ont l'avantage. Et tellement que j'avais fait... de glitch, les monstres, ils nous fuyaient parce qu'on avait genre 4 ou 5 niveaux de plus qu'eux. Donc du coup, ils avaient peur de nous. Ils ne voulaient pas venir à nous. Mais moi, je les attaque quand même. Ouais. C'était assez drôle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué... Ah non, c'est pas dans ce jeu-là. Je crois pas qu'on peut fuir un monstre qui nous attaque. Oh oui, mais même quoi. Si, l'option fuir, mais alors j'ai jamais réussi à fuir un seul tombeau. Voilà, ouais, à chaque fois qu'on veut fuir, il me semble bien. Il nous encercle par derrière, c'est seul. On s'en va, et non, on est encore dedans le combat. Ça marche jamais. C'est plutôt sympa, c'est plutôt gentil. Donc bon, allons guérir ce fameux villageois là, qui était au portail, qui avait besoin de nous. Oui, il a le cœur brisé, le beau. Il y a une femme qui l'a lâché. Ah ouais. J'en sais rien. Le jour où tu vas me lâcher, moi aussi, il va falloir que j'appelle Oliver pour qu'il me nettoie mon cœur. Prépare ton cœur. Ouais. Ah, bah bon, parce qu'il va être cassé. Il manque une pièce. Voilà, c'est ça. Regardez-le, on dirait qu'il sort d'une soirée de cuite là, qu'il a trop bien. Non, il a fumé, il plane complètement. Ah, ouais. C'est un peu un bad trip là. Il est en bad trip, le pauvre mec. Et donc là, vas-y, que je fasse mes exercices gymnastiques. Allez hop. Lui il est content lui. J'ai la pêche. Moi j'ai fumé qu'un joint, lui il en a fumé 10. Or t'es quoi. Alors, forcément, c'est à lui qu'il va falloir qu'on pégue plus tard. Franchement, on s'en fout. Pourquoi lui demander? On peut le prendre direct, non? Trop de politesse. Je vais prendre ton enthousiasme normal. Non, mais après tout, hein. L'enthousiasme, c'est tout. Oh, regardez le barbu dans le coin de l'écran, là. Genre, il dort debout. Je suis blasé, je dors. Je m'en vais. On m'a assez vu. Et ça, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Je trouve l'animation super belle. Hein. Moi, je trouve la petite lumière vachement belle aussi. Aïe, c'est un somnambule. Le barbu, c'est un somnambule. Ah ouais, non, mais les mecs, ils sont carrément à côté, genre, même pas d'étonnement, rien du tout. Genre, non, c'est tout à fait normal. On voit tous les jours ça. On bouge pas d'un coup. On voit des papillons, on voit des petites étincelles dans le ciel, comme ça. C'est tout à fait normal. Mais eux aussi, ils ont fumé, c'est pour ça. Mais je dis, il y a du problème. Oui, parce qu'on peut prendre plusieurs choses. On peut prendre l'amour, la compassion, l'enthousiasme. La compassion, je suis pas sûr. Si, il me semble qu'on a la compassion. Je sais pas. Il y a la bonté. La bonté, oui, c'est peut-être tout ça. Oui. Oh, compassion, bonté, compassion. Non, vas-y, bonté. Va sur les côtés. On a l'enthousiasme, non. On a le non, on non. Sait pas. Je sais plus. Ouais, on sait plus du tout. Ça c'est l'amour, hein, on se le cache pas. Hein? Non, je pense pas, je pense que c'est la haine. Hein. Franchement.
Je sais ça, c'est l'appel des extraterrestres, ça. C'est l'OVNI des extraterrestres, ça. Je crois que ça, c'est ça la foi ou c'est celui-là. La foi, c'est un rond. Ça, je sais pas, c'est du courage. Je ne sais plus. Bon, je sais pas, on verra de toute manière au fur et à mesure. On verra bien. Bon, bien sûr, à chaque fois qu'on donne un morceau du cœur, hein, pensez bien qu'on l'a plus dans la fiole. Un morceau du cœur. Je prends un morceau de cœur et je donne un autre. L'enthousiasme, tout ça, là, quand on fait le cœur. Déchirure rien. Déchirurgien, même. Ah, ça y est, il est revenu parmi les vivants. Je suis descendu de mon balcon. Où suis-je? Georges, j'ai trop fumé. もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。心につっかえていたものが取れたような疲れ感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まで、すまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。 入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ。そこの者ども。 Ah, on va pouvoir rentrer. L'émission. Dit que je te fasse une révérence. Ah oui, tranquillou. Chouette, on peut enfin entrer. Genre Lumi, il n'a rien à foutre de la carte. Lui, c'est non. Moi, je veux rentrer, j'en ai marre. Plus dehors, j'attends. Carabas. Qui fait Sabarak. Hein. Sabarak en verlan. Sabarak. C'est plutôt pas mal. Sabarak. Nous sommes enfin à Sabarak, oui. C'est peut-être un peu un chemin, je dois le reconnaître. Mais tout est bien qui finit bien. Non, non, il y a une fin. Ça change. La chasse à la baguette du roi d'ici dans le de fort. Bon voilà, donc nous sommes rentrés dans ce fameux village. Donc, il me semble qu'on peut sauvegarder en allant dans l'hôtel là de pour dormir, non? Je sais plus. Ah, c'est vrai, nous obtenons des florins quand on fait ça. On peut faire toutes les urnes. Ou c'est cassé. Ah, il m'empêche d'aller où je veux. Sniff. Sugoi. Nanka iroiro chiga. Oi, kyoro kyoro sunna. みんな珍しい服を着てるよ。珍しいのはお前の方じゃ。え?変だな?変だか?だから。そんなに変かな?おい、その位置の国の変な服は早いとこ着替えんと。おりま、行くで。うん。Tout le monde qui le regarde, tranquillou, Pépérou. Une nouvelle tenue, donc bon, on va aller dans la maison là où il y a la lune. Ouais. Que... Attends, c'est de l'autre sens. Il me semble que si on va là-bas, on peut sauvegarder. Comme ça, on va sauvegarder et on se quittera donc, sur cet épisode où il faut qu'on aille habiller le. Habiller. Nabila. Ah non, pas Nabila, non, il faut Nabiler. Ah, d'accord, il faut Nabiler. On va aller Nabiler notre petit Oliver. Allez, se coucher. D'ailleurs, il y a une petite... Ah non, mais non, ils sont fermés. Ils sont fermés. Oh, il y a une basque. Oh, on a obtenu un gâteau. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement faire start et sauvegarder, en vérité. Oui. Voilà, donc on va faire ça. Non, c'est le triangle. C'est le triangle, pardon. Et start. Et après start. Voilà. Donc nous allons sauvegarder ici. Nous allons
vous quitter. Donc j'espère que ce gameplay donc du troisième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert qui fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, comme je dis si bien, tchuss tout le monde et à la prochaine. Et je laisse la parole à Mrs. Zombie Mort. Au revoir tout le monde, à la prochaine.